Si tu veux des enceintes de foot pas chères, rends-toi sur gogolshop.com. T'as 10% de réduction avec le code FAMILIA, lien en description. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette grosse vidéo en compagnie de Yacine. Salut. Je suis vraiment désolé pour le bruit de fond, mais en fait, le gardien du stade il est en train de ramasser les feuilles, donc ça fait un peu de bruit. Bref, on est là pour les défis techniques de Yacine. Je vais réserver quelques épreuves. On va voir s'il est vraiment chaud techniquement. C'est parti. Donc la famille, je tiens à préciser que j'ai encore mal derrière la cuisse. Ah, je cherche pas des excuses. Non, je te promets, c'est léger. Mais comme je devais faire une vidéo pour vous, je joue quand même, je fais quand même la vidéo et j'irai me reposer. Donc vas-y, c'est parti. Premier défi, je vais pas parler chinois. Tu m'as demandé de faire 4 tours du monde. Je vais te demander d'en faire 4 et d'en refaire 2. C'est-à-dire que t'en fais 4 d'affilée, tu jongles et t'en refais 2 d'affilée. T'es un malade. Non, je suis pas malade, c'est non, les défis impossibles. Allez, c'est parti. Fais-nous rêver. T'as 3 chances, mon gars. Oh le bâtard! Deux, trois, quatre. Ouais, maintenant tu dois en faire deux d'affilée maintenant pour réussir le défi. Oh le bâtard! Premier défi réussi. Au calme. C'est bon, arrête de te la péter. Donc deuxième défi, je vais te donner la caméra pour que je fasse montrer en même temps aux gens. Donc là, il a placé ses ballons. Oh le gamin, il a tout fait tomber en une fois. Wesh, c'est quoi ce délire? Mais le défi, c'est de l'eau. Eh, ça se fait pas, regardez la famille. En un coup, il a fait strike. Bien joué, bien joué. On pourra dire que t'es précis. Après, on est proche aussi. Non, on n'est pas proche, wesh, pas un ouf. Donc là, on va enchaîner sur un autre défi un peu plus compliqué parce qu'il fait le malin. Il y a deux ballons. Tu vas devoir mettre un ballon sur la barre. Et un ballon sur le poteau. C'est ton défi impossible. Tu penses le relever ou pas? Non. Il a dit non sans respect. Un grand malade. Donc quoi. Tu vas devoir tirer. Je te rappelle que je reviens de blessure. Hein. Mais c'est de la précision ça. Alors on va faire plutôt très près. Donc attends, je vais me cadrer. Ça va être chaud. Tu choisis le poteau ou la barre en premier? Avec cette balle là, je peux tirer la barre. Quoi. Ok, vas-y. Attends, j'ai combien d'essais? 3. Et si elle revient, ça te fait une chance supplémentaire. Et là, tu dois mettre le poteau. Et puis, voilà, t'as l'autre balle aussi, ça te fait une chance supplémentaire. Pas là. Non, non, deux, tu pourras la rapprocher. Donc là, va déjà. S'il touche le poteau, franchement, je respecte. Je sais pas, c'est toi. Hein. Je pense, ouais, il faut que tu la fasses enrouler à droite et tu la fasses grave sortir et la fasses re-rentrer. Comme dans Olivier Tom. Ah, elle a touché? C'est quel poteau qu'elle touche? Elle frôle la tête. Elle est à 1 mm. Il te reste une chance, il te reste une chance. Elle est à 1 mm. J'ai la. Une sur la barre, une sur le poteau. Mais c'est trop. En plus, la balle, elle revient. Mais comment tu fais pour mettre des barres tout le temps? Retire avec la même sur le poteau. Non, c'est là, j'aime pas. Ça te fait une chance supplémentaire. Allez, maintenant, poteau. Au pire, vise par terre, vise pas forcément en l'air. Parce que celle-là, elle vole de ouf. Yes, dernière chance encore. Là, je vais tirer fort croisé. Non, moi, ouais, après c'est toi, tu fais comme tu veux. Moi, je te conseille de faire une passe au sol avec celle-là parce qu'elle est grave, on dirait qu'elle est gonflée à l'hélium. Il a remis la barre. Allez, pour ton défi All-Star. Ça fait plaisir de toucher la balle. Ça fait plaisir de toucher la balle. Ouais. Pas de douleur, bizarre. Bah, en fait, quand je fais des trucs arrêtés, ça va, mais quand je commence à courir, ça revient. Ok, bah là, on va courir un peu, mais à 5%. Tu vas devoir prendre le ballon de la surface de réparation, jongler en courant, enfin en trottinant jusqu'à la ligne bleue, faire 3 tours du monde d'affilée, la lever. La barre. Non, il est marqué. Si je mets la barre. Si tu mets la barre, bah j'arrête le foot. Ok, mais tu vas arrêter le foot. Hein. Tu la lèves de manière stylée. Lourd. Vas-y, viens vers moi. Tout en gardant le contrôle de la balle jusqu'à la ligne bleue. Faut la faire tomber. Donc là, stop, 3 tours du monde. C'est bon, là on te voit bien. J'arrive pas à me mettre bien, chaque fois je joue mal. Après, je me la mets sur le côté. Maintenant tu dois la mettre dans les buts. Et si je mets la barre, et si tu mets la barre, j'arrête le foot. Faut qu'il lève sa tête.
Oh putain, j'ai failli arrêter le foot, la famille. Il a failli me faire arrêter le foot, ce bâtard. Eh, j'ai eu grave chaud. Pour le deuxième. C'est bon, t'es arrivé. On va devoir nous faire les trois tours du monde. Mais je peux me gêner. Mon œil pleure tout seul. Trois tours du monde. Va-t-il la marquer? Et c'est le but. Elle a frôlé la barre. J'arrête pas le foot, ça fait plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu, la famille. Il a réussi 3 défis sur 4. C'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que tu penses de ces défis? C'était quoi le plus compliqué qui t'a posé le plus de problèmes? C'est ma coordination. Famille, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, abonnez-vous. Ciao, ciao.